Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. C'est toujours votre frère Léon Kalombo. Comme d'habitude, à travers des petites vidéos, je viens devant vous, vous témoigner, partager avec vous sur le ministère des bandes. Et comme d'habitude, je me présente comme un simple frère qui témoigne devant ses frères. Je ne suis pas un prédicateur, je ne vous enseigne pas, je ne vous prêche pas. Je prends seulement quelques déclarations du prophète tirées des différents sermons. Nous les lisons ensemble pour amener quelqu'un à comprendre l'importance d'écouter le message lui seul et de prier que Dieu lui donne lui-même la compréhension de ce que Frère Branham a enseigné sur le band. Je ne vais pas prendre trop de temps dans mes vidéos, mais la plupart des temps, nous passons dans la lecture ensemble, parce que je mets à votre disposition des citations. Chacun peut lire et enlever juste mes commentaires. Prenez ce que le prophète dit. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions d'abord traiter d'un petit sujet, un sujet très important. Frère Branham a dit, dites ce que disent les bandes. Et ce petit sujet a créé beaucoup de polémiques. Beaucoup ont dit, c'est adressé aux prédicateurs. C'est les prédicateurs qui doivent dire aux autres ce que disent les bandes. Au point que les autres se sont même surnommés des répétiteurs de ce que disent les bandes. Je me souviens autrefois, le prédicateur nous disait, nous n'avons pas un message particulier, nous ne sommes que des simples répétiteurs. C'est ça notre rôle, de répéter ce que disent les bandes. Mais avec l'avènement de l'écoute des bandes, inspiré par le prophète Joseph Branham, nous avons découvert que c'était une fausseté. Le ministère ne consiste pas dans la répétition de ce que Frère Branham a dit. Le ministère, c'est un appel. Un ministre peut prêcher juste avec une expérience vécue sur la rue. Une situation qui arrive dans la société, un ministre peut en faire une prédication et prêcher. Un verset de la Bible, donc une information qu'il a suivie peut-être même à la télé, il peut en faire une prédication. Le ministre n'est pas limité seulement à ce que quelqu'un a déjà dit. Non. Puisque si on doit répéter ce qu'un autre a déjà dit, et appeler ça un ministère, là, tout le monde est ministre. Parce que nous tous, le coin de message, nous répétons ce que disent les bandes. Alors, j'aimerais que nous puissions d'abord lire les prophètes, nous dire, est-ce que cette déclaration, il l'a faite dans une réunion des ministres, il s'adressait au ministre d'aller répéter ce que lui a dit ou d'aller dire ce que lui a dit aux autres. Puisque le terme répéter ce que disent les bandes, nous nous demandons, ça vient d'où? Mais lui a dit, dites ce que disent les bandes. Alors, nous allons ensemble découvrir l'origine d'abord, biblique, pourquoi Frère Branham a utilisé ce terme, dites ce que disent les bandes. C'est biblique. Maintenant, il a actualisé ça en rapport avec son ministère, son message qui était enregistré sur les bandes. Il s'adresse à qui? Suivons la lecture, nous prenons ensemble avec vous le sermon intitulé « Essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu ». Prêché le 18 juillet 65. Souvent, moi, je lis des longues citations pour que chacun puisse avoir l'idée vraiment complète de ce que le prophète a voulu dire dans une situation, au lieu de lire seulement des bouts de citations qui laissent un peu les gens dans la confusion. Nous prenons le paragraphe 186.
Maintenant, je vais vous lire un passage de l'Écriture et je désire que vous lisiez avec moi. Je désire que vous ouvriez vos Bibles dans Deutéronome 4 pour terminer. Je pense qu'il a été dit suffisamment là-dessus pour que vous puissiez comprendre. Deutéronome 4. Je vais lire ici à des endroits pour cette église et pour les bandes. Ça commence déjà. Il lit pour l'église et pour les bandes. Pour ceux qui écoutent les bandes et pour vous qui êtes en ligne à différents endroits du pays, je veux que vous écoutiez ceci très attentivement. Ne les manquez pas. C'est une chose que je... Deutéronome 4. Je vais commencer au verset 1. Je vais lire le verset 1 et ensuite... Je lirai le verset 25 et 26. Vous pourrez lire les tout quand vous arriverez chez vous. Mais pour gagner du temps, afin que nous puissions sortir à l'air, parce que je dois revenir ce soir, Dieu voulant, écouter parler ce prophète, il avait été dans la présence de Dieu. Il savait de quoi il parlait. Écoutez. J'aimerais que nous puissions être attentifs. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique. Frère Moïse s'adresse à un peuple, le peuple d'Israël. Afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Cela représente notre millénium. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien. Ni y ajoutez rien et n'en retranchez rien. Ne dites que ce qu'elle dit. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal Péor. Vous êtes un peuple séparé de ces dénominations, voyez-vous. Et vous qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Vous n'avez jamais péri avec vos dénominations. Vous êtes maintenant vivants dans la présence de Dieu. Soyez attentifs. Ne manquez pas ceci. Maintenant au verset 25. Lorsqu'ils vont dans le pays, observez ce qui arrive. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, c'est ce qui est arrivé. Si vous faites des images taillées, quelque chose d'autre, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, écoutez, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. Voyez-vous, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays ou de l'endroit dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. C'était Moïse qui parlait à Israël. Là, c'est paragraphe 187. C'était Moïse qui parlait à Israël. Ce n'est pas au sacrificateur. Ce n'est pas au prédicateur. Moïse s'adresse au peuple d'Israël. C'était Moïse qui parlait à Israël. Après avoir été confirmé par Dieu à travers la colonne de feu. Et après avoir su qu'il était bien le serviteur de Dieu pour les conduire et les faire sortir, avant leur entrée dans le pays, Moïse dit, « Pour les paroles que je vous ai annoncées, je prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. Si vous y ajoutez une chose ou si vous en retranchez un mot, vous ne resterez pas dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. » De même, je dis au nom de Jésus-Christ,
N'ajoutez pas une seule chose. Branham quitte Moïse. Il commence à nous parler. De même, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose. Ne retranchez pas. N'y mettez pas vos propres idées. Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a recommandé de faire. N'y ajoutez rien. Voilà l'origine de la déclaration. Dites ce que disent les bandes. C'est Moïse qui parlait au peuple d'Israël. Ce n'était pas au sacrificateur. Moïse ne s'adressait pas à une catégorie de personnes, comme beaucoup veulent nous faire comprendre aujourd'hui, que Frère Branham s'adressait au prédicateur, pour que les prédicateurs viennent s'adresser maintenant aux croyants que nous sommes. Je continue avec la lecture. Nous lisons encore « Dieu se cache et se révèle dans la simplicité » prêché le 17 mars 63, au paragraphe 106. Le prophète dit, « Alors maintenant écoutez bien chaque mot, saisissez-les, et si vous les prenez sur bande et tout, alors tenez-vous-en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. Ne dites rien d'autre que ce qui est dit sur cette bande. Dites simplement exactement ce qui est dit sur la bande. Voyez, en effet, certaines de ces choses, nous allons en comprendre pas mal long là-dessus. Maintenant, pourquoi c'est mal compris? Voyez, et assurez-vous bien de ne dire que ce qui est dit sur la bande. Ne dites rien d'autre. Voyez, en effet, je ne dis pas cela de moi-même. C'est lui qui l'a dit. Vous voyez? Et donc, très souvent, il y a de la confusion. Des gens qui s'élèvent pour dire, eh bien, un tel a dit que cela voulait dire telle et telle chose. Laissez-les donc tels quels. Malgré tout ça, les gens n'arrivent toujours pas à obtempérer, à respecter. Frère Branham me dit, ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est lui qui l'a dit. C'est Dieu qui a dit ça. Comme Moïse, moi aussi. Alors, nous continuons. Nous lisons encore. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Prêché le 17 mars 63. Écoutez encore. Paragraphe 386. Écoutez, permettez-moi de vous dire ceci. Rapidement. Même les visions que Dieu donne ici, dans ces lieux, elles sont tellement mal comprises. C'est pour cette raison que vous m'entendez dire sur les bandes, dites ce qui est dit sur les bandes. Dites ce qui est dit dans les visions. Maintenant, si vous êtes bien réveillé, vous allez voir quelque chose. Voyez, j'espère que je n'ai pas besoin de les tenir dans ma main pour vous les montrer. Voyez, 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 vous êtes, c'est ici, nous sommes à la fin. Voyez, oui, messieurs, les cerveaux instruits passent à côté. Les simples visions, quand elles sont révélées dans une telle simplicité, ça passe complètement au-dessus de la tête des gens. Voyez, dites ce qui est dit sur les bandes. Moïse s'adressait au peuple d'Israël. Frère Branham s'adresse au peuple qui vit dans cet âge du temps de la fin. Nous continuons avec la lecture. Nous prenons maintenant les signes prêchés le 1er septembre 63. Frère Branham nous montre quelque chose ici. Paragraphe 374, écoutez. Appliquez-les. Créez cette atmosphère autour de vous qui aura tout fait de les gagner. Voyez-vous? Oh,
Vous êtes, si vous avez les signes, vous créez un esprit autour de vous, une puissance qui fait que lorsque vous marchez, les gens savent que vous êtes un chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire quelque chose. Ils croient votre parole. Ils s'accrochent à ce que vous dites. Voyez-vous, c'est ça. Quand vous avez les signes, vous pouvez créer l'atmosphère. Faire en sorte que les gens aiment vous entendre dire, leur dire quelque chose. Et ils vous croient sur parole. Les gens savent que vous êtes un chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire quelque chose. Et ils croient votre parole et s'accrochent à ce que vous dites. Je ne commente pas. Évoluons. J'aimerais que vous puissiez retenir toutes ces déclarations pour que vous puissiez comprendre quand nous allons arriver à la fin de notre vidéo. Nous prenons encore le sixième saut, prêché le 23 mars 63. Écoutez au paragraphe 434. Vous ne vous rendez pas compte de l'attention. Maintenant, je voudrais dire ceci. Je pense qu'ils ont arrêté l'enregistrement. Bien des gens disent, frère Branham, avec un ministère comme celui-là, il faut que je fasse attention parce que les gens vont simplement prendre les bandes. Ils vont chercher la petite bête noire en les écoutant. Vous savez, alors, quand ils disent, frère Branham, nous aimerions vraiment avoir un ministère. Ça, ce sont des gens qui disent à frère Branham, nous aimerions avoir un ministère. Frère Branham a dit quoi? Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous, franchement, vous ne savez pas ce qui va avec. Frère, sœur, oh là là, la responsabilité. Alors qu'il y a des gens qui s'accrochent à ce que vous dites. Souvenez-vous, si vous leur dites quelque chose de faux, Dieu vous redemandera leur sang. Donc, pensez un peu. Quand vous avez les signes, vous créez l'atmosphère. Les gens aiment vous entendre leur dire quelque chose. Et ils s'accrochent. Ils vous aiment. Ils ont confiance en vous. Ils s'accrochent à ce que vous dites. Mais ici, Frère Branham me dit, les gens ne comprennent pas ce qui marche de pair avec le ministère. La responsabilité. Quand les gens disent qu'ils ont besoin d'avoir un ministère, Frère Branham m'a dit, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'il y a une responsabilité. En quoi consiste cette responsabilité? Parce qu'il y a des gens qui s'accrochent à ce que vous dites. Souvenez-vous, si vous leur dites quelque chose de faux, Dieu vous redemandera leur sang. Donc, pensez un peu à ça. C'est une chose terrible. Quand les gens s'accrochent à ce que vous dites, c'est terrible. Moi, je pensais que c'est bien. Les gens qui s'accrochent à ce que vous dites, c'est bien. Ah, oh, Frère Branham me dit, c'est terrible. L'âge de l'église de Pergame, prêché le 7 décembre 60. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 131. C'est pourquoi je suis ici ce soir, au lieu d'être sur l'estrade quelque part ailleurs, à essayer de prêcher et de prier pour les malades. Je ne peux pas tous les rencontrer sur les estrades et répéter ces messages encore et encore. C'est la raison pour laquelle nous enregistrons cela sur bande. Et envoyons cela dans le monde entier afin qu'ils reçoivent l'avertissement et reviennent à la foi. Frère Branham ne peut pas rencontrer tout le monde sur les estrades du monde entier pour répéter, ne faire que répéter les mêmes sermons, répéter les mêmes choses. Non, les autres, il va seulement enregistrer les bandes et les envoyer les bandes.
Ce sont les bandes qui vont répéter aux autres là ce que lui allait peut-être tout le temps souffrir à répéter les mêmes choses. Non, il ne peut pas faire ça. Aller partout, parler les mêmes choses. Non, non. Il peut parler seulement, on enregistre et on envoie les bandes. Je ne vais pas faire trop de commentaires, nous allons comprendre quelque chose. Frère Branham me dit encore ici, j'ai mal compris, prêcher le 23 septembre 61. Nous prenons le paragraphe 161. Vous savez, mal comprendre nous attire bien des ennuis. Très souvent, les gens répètent des choses venant de quelqu'un d'autre alors qu'ils ont mal compris. Oh! Frère Branham qui nous a dit, dites ce que disent les bandes. Et les autres se sont même dit, nous sommes des répétiteurs. Mais écoutez maintenant, répétiteurs, comprenez maintenant. Très souvent, les gens répètent des choses venant de quelqu'un d'autre alors qu'ils ont mal compris. Voilà qui ne manque de mettre les gens dans l'embarras. Quand vous répétez aux autres les choses que vous-même vous n'avez pas compris, vous mettez les gens dans l'embarras. Je crois qu'il serait avantageux pour nous d'attendre d'avoir bien compris quelque chose avant d'en parler. N'êtes-vous pas d'accord? Je sais que ça le serait pour moi. Il me serait bien avantageux de voir ce qu'il y en a premièrement, ensuite d'en parler. Voyez-vous? Mais nous sommes toujours, semble-t-il, mal compris. Et David parle ici du peuple d'Israël qui a mal compris ses miracles lorsqu'il s'est trouvé en Égypte. En tout cas, comprenez maintenant 200 et 162. Or, mal comprendre, ce n'est pas simplement dire, eh bien, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Mais c'est voir quelque chose se produire et de ne pas très bien en comprendre le pourquoi. Oh, c'est ça qui vous fait manquer les coches à coup sûr. J'ai mal compris. Il faut comprendre la chose avant d'en parler. C'est ce que Frère Branham fait. Mais mal comprendre, ce n'est pas juste dire « je n'ai pas compris ce que Frère Léon voulait dire » ou « ce que Frère Branham voulait dire ». Non. Voir quelque chose tel que nous sommes là en train de parler du ministère des bandes et quelqu'un n'arrive pas toujours à comprendre pourquoi on parle des bandes, pourquoi on doit écouter les bandes. C'est ça mal comprendre. Nous évoluons. Nous devons éviter de trop faire des commentaires. À ce que je vous ai dit, enlevez mes commentaires, prenez les déclarations du prophète. Et ta postérité possédera les portes de son ennemi. Prêchez le 21 janvier 60. Nous avons déjà lu plusieurs citations. Nous revenons toujours sur ces citations puisque ça marche de pair avec le sujet que nous avons. Paragraphe 4. Tout ministre, quand il prêche, il lui arrive parfois d'être mal compris d'une manière ou d'une autre. Souvent, les gens prennent ce que vous dites et ils, si cela penche un peu vers leur opinion, alors ils les répètent comme ça. Et ensuite, les prochains l'entendent, ça penche un peu plus, bientôt c'est tout de travers. Dites ce que disent les bandes. Mais souvent, ce qu'ils veulent aller dire là, si quelque chose penche un peu, dans leur position, dans leur doctrine, ils ont une façon, ils abordent ça. Comme je suis en train de parler du ministère des bandes ici. Je cherche à tout amener, ramener toujours au ministère. Même là, on a parlé des prédicateurs. Moi, je ne vais pas citer les noms prédicateurs. Non! Moi, je dois tout lire. Quand on dit prédicateur, ils doivent prêcher, je dois lire. Puisque je n'ai pas de penchant. Mais je dis seulement ce que disent les bandes. C'est tout. En tout cas, nous prenons encore... questions et réponses du 27 mai 60. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 225. J'ai dit une certaine chose. On me comprend tellement mal. Ou j'ai dit quelque chose comme ceci. Ou comme cela. Quelqu'un les saisit complètement de ce côté-ci. Voici comment ça se passe. On dit quelque chose en allant droit au billet. Quelqu'un l'entend
comme ceci. Alors, il les répète à quelqu'un d'autre. Répétiteur. Comprenez? Il penche un peu plus. Et l'autre penche encore un peu plus. Et l'autre encore un peu plus. Et là, c'est tout de travers. Quelqu'un l'entend autrement, comme ceci. Il part dans cette direction ici, dans cette direction-là, et dans cette direction-là. Voyez? Et vous vous éloignez. Et voilà comment ça se passe. Là, dans les réunions et tout. Quand on veut faire comprendre un point précis, oh, les Éliés, c'est ça la consolation. Oh, les Éliés, ils entendront ces points, ils saisissent ces points, ils savent. Parce que j'ai exprimé exactement les sens voulu. Voyez, comme ça, exactement le message. Parfaitement. Les Élis ont une garantie d'entendre eux-mêmes exactement les sens voulus. Les sens que toi tu vas nous donner là. Écoutez comment le prophète souffre. Puisque beaucoup ont dit, lui nous a mandaté d'aller dire ce que disent les bandes. Mais lui dit ici, qu'en allant dire là, vous allez pencher vers votre doctrine. Maintenant, qui va dire à l'autre? Si vous allez pencher vers votre doctrine qui dit que Jésus est déjà venu, l'autre qui dit les tonnerres ne sont pas révélés et les tonnerres seraient, ce sont des penchants. Maintenant, Frère Branham a dit, les Éliés, ils vont abandonner toutes ces choses-là. Ils vont entendre et saisir parce que Frère Branham l'a dit dans les bons sens voulus. Et nous allons prendre ça. Nous évoluons. Nous prenons encore les douleurs de l'enfantement. Prêché le 24 janvier 65. Écoutez ce que le prophète dit encore au paragraphe 204. Bon, je sais que les gens disent toutes sortes de choses. Et nous savons bien souvent que ce n'est pas vrai. Je ne peux pas répondre de ce qu'un autre, de ce que n'importe quel homme dit. Je dois répondre de ce que moi j'ai dit. Je peux simplement dire si c'est la vérité ou pas. C'est moi qui dois être responsable de ça. Et non de ce que quelqu'un d'autre dit. Je ne peux pas juger personne. Je n'ai pas été envoyé pour juger, mais pour prêcher le message. Remarquez. Oh, voilà. Ici, il ne veut même pas que quelqu'un puisse aller dire certaines choses que lui va répondre, il va dire certaines choses et il pense qu'en disant ces choses, c'est Frère Branham qui va répondre. Non, non. Ce que vous vous dites, vous allez répondre de ce que vous vous dites. Ce que Frère Branham a dit, c'est lui seul qui va répondre de ce qu'il a dit. Il dit ici, je ne peux pas répondre de ce que n'importe quel homme dit. Mais alors que vous vous dites, ma mission, c'est de dire ce que disent les bandes aux gens. Mais lui dit, ne va pas répondre de ce que vous allez dire. Parce que en disant cela, vous allez toujours ramener ça dans votre doctrine. Vous aurez toujours un penchant. C'est ce que Frère Madame vient de nous montrer. En allant dire là, vous allez toujours tirer les draps de votre camp. Vous allez toujours amener les gens dans votre compréhension. C'est ce qu'il est en train de nous montrer. Puisqu'il a dit, dites ce que disent les bandes. Mais en disant ce que disent les bandes là, chacun va ramener ce qui est dit sur les bandes dans son camp. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas faire l'erreur? C'est d'entendre, de saisir les sens voulus. Individuellement. Voilà. C'est ici dans le message. Nous lisons encore. Sans argent, sans rien payer. Le 2 août 59. Écoutez, paragraphe 134. Chantons cela pour sa gloire. Petit instant, avant que nous passions à la prochaine phase du service. Ceci, c'est l'adoration. Le message a été proclamé. Je suis très content que vous l'ayez reçu. Ma prière, c'est que ce message vous soit bénéfique. Car le transmettre m'a été bénéfique.
L'inspiration qui m'a été donnée pour vous la porter et avec laquelle elle a été envoyée, ma prière c'est que vous l'ayez reçue avec cette même inspiration. Que le Seigneur bénisse cela dans votre cœur. Très bien. Écoutez comment le prophète amplifie encore la chose. Même l'inspiration que lui avait reçue. Il prie que nous puissions recevoir son message sous la même inspiration. Alors que nous savons que chaque prédicateur qui vient devant nous, il nous dit « Dieu m'a inspiré. Dieu m'a inspiré. » Et si cette inspiration ne concorde pas avec l'inspiration du prophète, qu'est-ce que nous allons recevoir? La confusion, l'embarras. En tout cas, Frère Branham est clair dans son message. Nous continuons. Je l'aime maintenant. Fermez les yeux pendant que nous chantons. Levons les mains. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier et acquis mon salut sur les voies du calvaire. C'est la fin de la citation. Maintenant, nous continuons toujours. Moi, je ne fais que lire des petits commentaires. Nous évoluons. Les parents rédempteurs, prêcheux, les 2 octobre 60. Écoutez ce que Frère Branham a dit. Une précision qu'il donne. Pour que ceux-là qui pensent enseigner ou prêcher le même message déjà enseigné comprennent ce que le prophète dit. Il croit ce message, il est en train de piller. Et puis, combien honnête et sincère dois-je être envers ce message? En effet, je ne m'endurerai pas, moi seul en erreur, mais quelqu'un d'autre aussi. Voyez? Et puis, parce que j'étais celui qui les leur enseignait, Dieu me tiendrait responsable de leur erreur. Vous voyez? Frère Branham vient de nous dire sur comment les gens s'accrochent aux paroles que quelqu'un prononce. Et si vous les induisez en erreur, Dieu vous redemandera leur sang. Ça, c'est ce que le prophète nous a dit. Mais ici, lui, Asim, il dit que Dieu va demander le sang là à Branham. Si c'est lui, celle qui nous a enseigné son message, Dieu va lui demander ça. Écoutez. Et puis, parce que j'étais celui qui les leur enseignait, Dieu me tiendrait responsable de leur erreur. Oh! Donc, tel que je suis là, si le fait de croire que Frère Branham est le prophète de Malachie 4, et que l'Église dit c'était accompli, Apocalypse dit c'est accompli, cela, s'il s'avérait que c'est une erreur, Dieu ne va plus me juger moi. Il va juger Frère Branham. Parce que c'est lui qui m'a enseigné ça. Mais maintenant, si quelqu'un d'autre venait me dire, non, ce n'est pas seulement l'Église 17 qui est accompli. D'ailleurs, Frère Branham, c'est lui le créateur que nous devons adorer. Et je peux aussi être tenté de croire et commencer à faire comme lui. Mais qui va répondre si c'est une erreur? C'est là qu'il y a un problème. Nous sommes déjà dans les millénaires. Jésus est déjà venu. Il n'y a rien. Tous par la mort. Tout ce que les gens enseignent là. Et s'il s'avérait que tous ces enseignements-là sont faux, qui va répondre? Frère Branham a dit, lui ne répondra que de celle-là à qui il a lui-même enseigné son message. Mais je me demande, toutes ces citations, est-ce qu'on les lit? Est-ce qu'on enseigne ces citations par ceux-là qui disent qu'ils enseignent le message? Pour dire aux gens que tel que je vous enseigne ici, si je vous enseigne une erreur, c'est moi. Dieu va me demander votre sang. Mais si cette erreur vous est enseignée par Frère Madame, Dieu va demander votre sang, Frère Madame. Et si tout le monde comprenait comme ça, je pense que tout le monde allait quitter pour aller écouter Frère Branham. Mais on ne peut pas dire ça. Alors, nous prenons maintenant, votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêché le 30 juin 63. Écoutez comment Branham va maintenant dire quelque chose que nous avons toujours l'habitude de répéter. Paragraphe 57. Pour vous qui venez ici, je ne suis pas responsable de ceux ou de ceux à qui s'adressent d'autres ministres. Mais si c'est vrai,
ça mérite que vous donniez votre vie pour cela, que pourriez-vous jamais trouver qui vous fasse plus de bien que de savoir que vous pouvez avoir la vie éternelle. Si vous croyez que dans ce que Frère Junior Jackson vous enseigne, vous pouvez trouver le salut, allez de l'avant. Je ne peux pas vous empêcher d'aller l'écouter. Allez, soyez derrière Frère Junior. Frère Rideur, il a une église. Ce sont des jeunes sortis de mon ministère. Mais je ne peux pas répondre de ces âmes-là qui ont basé leur expérience de salut sur base du ministère de Frère Tel, de Frère Tel, qui est aussi un prédicateur comme Frère Branham. Frère Branham n'est pas responsable de ces âmes-là. La seule manière pour que Frère Branham puisse être responsable de votre âme, c'est quand vous le croyez et que vous venez l'écouter. En tout cas, c'est très compliqué. Écoutez ce qu'il dit. Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22 août 65. Écoutez, au paragraphe 40. Pendant que j'y pense, les gens qui écoutent ces bandes, tant de gens m'écrivent en disant, « Eh bien, dans les mariages et les divorces, vous avez dit ceci, vous avez dit cela. » Combien de fois je l'ai répété? Ces bandes ne s'adressent qu'à « Je parle à mon assemblée, frère. Je ne suis pas responsable de ce que Dieu vous a donné à paître. Je suis responsable du genre de nourriture que je donne à ces gens-ci. » Ceci s'adresse uniquement à ce tabernacle. Voyez-vous? Or, si les gens veulent écouter les bandes, cela les regarde. Mais je parle à ce que Dieu m'a donné. Ce sont leurs péchés à eux qui ont été remis. Quelqu'un a écrit et dit, eh bien, j'ai fait ceci et j'ai fait cela. Vous avez dit ce que nos péchés, je n'ai pas dit cela. J'ai dit, comprenez-les bien. Ceci concerne uniquement les gens qui sont ici même. Les gens qui sont dans les tabernacles, mon propre troupeau maintenant. Si les gens veulent hybrider la nourriture, ainsi de suite, là-bas, vous obtenez vous-même de Dieu la révélation. Et faites ce que Dieu vous dit de faire. J'en ferai autant. Mais ce message s'adresse à cette église-ci. Là, beaucoup vont me dire, mais vous, vous n'êtes pas concerné parce qu'il s'adressait seulement au Branham Tabernacle. Mais vous allez comprendre que le Branham Tabernacle est composé de plusieurs personnes. Il y avait ceux-là qui étaient en liaison téléphonique, et il y avait aussi ceux-là qui allaient écouter les bandes. Il a dit, si ceux qui veulent écouter les bandes, ça les regarde. Mais il y avait ceux-là qui étaient concernés, dont les âmes sont liées au ministère de Branham, éparpillées dans le monde entier, qui allaient recevoir des bandes. Et dont l'air absolu, le seul enseignant du message, c'est Frère Branham. Ces gens-là sont les croyants du prophète Branham, tant qu'ils basent leur expérience de salut sur les enseignements du prophète lui-même, ils sont concernés. Parce que vous allez comprendre, nous allons lire. Ici, nous continuons maintenant avec le filtre d'un homme qui réfléchit. Prêché le 22 août 65. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 21. Les gens achètent ces bandes. Les gens partout dans le monde les achètent et les passent. Il arrive souvent qu'ils m'écrivent. S'ils sont membres d'une église, je leur réponds toujours comme ceci. Voyez votre pasteur. Maintenant, pasteur, je veux que vous le sachiez. C'est uniquement à mon assemblée que j'ai dit ces choses. Parce que nous avons lu dans les questions-réponses qu'il y avait des frères, entre autres frères Junior Jackson, qui avaient aussi son église, qui croyaient le même message que Frère Branham, mais qui ne croyaient pas à l'ordre tel qu'enseigné par le prophète Branham.
Ils avaient des divergences. Maintenant, écoutez, j'ai le droit de le faire parce que j'ai été placé par le Saint-Esprit pour veiller sur ces brebis. Et malheur à moi, si je ne leur dis pas ce que je pense être la vérité et de la façon dont je pense qu'elle vient. Comprenez les détails. Mais ce n'est pas destiné au monde ni aux autres églises. Vous faites ce que Dieu vous dit de faire. Je ne peux pas répondre pour vous et vous ne pouvez pas répondre pour moi. Mais nous devons chacun de nous répondre de notre ministère devant Dieu. Par conséquent, si j'ai à répondre de mon ministère, je dois prêcher cela tel que je le vois et tel que cela m'a été révélé. Donc, que chacun soit bien au clair là-dessus. Frère Baname dit au prédicateur qui était là, que chacun soit bien au clair. Vous, tous les pasteurs là, comprenez que moi, je ne serai pas jugé pour vos enseignements. Je serai jugé sur ce que moi-même j'enseigne. Vous croyez le message, c'est bien. Mais tant que vous avez des troupeaux, vous avez des brebis, que vous enseignez, que vous essayez d'amener au salut par vos enseignements, je ne suis pas responsable de vos enseignements. Ici, que tout soit clair là-dessus. Beaucoup ne veulent pas assumer ça. Nous prenons encore. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Au paragraphe 6. Pratiquement, le seul moyen d'amener une personne à y croire, c'est d'enfoncer les clous. Tant et si bien qu'elle ne pourra pas faire autrement que de reconnaître que cette chose-là est la vérité. C'est le seul moyen de s'assurer que ça morde bien. C'est comme un de mes amis, M. Oud, j'ai été avec lui. Si on enfonce un clou qu'à moitié et que la planche n'est pas fixée solidement, le vent ne va pas tarder à l'emporter. Mais il faut l'enfoncer pour qu'il morde profondément. Donc, maintenant, si je suis vraiment tranchant sur certains de ces points, sachez ce soir, vous qui êtes de l'extérieur, que je ne cherche pas à vous déconcerter. Je cherche seulement à faire bien saisir à cette église ce que nous croyons. Maintenant, que tous ceux qui ont bien compris disent Amen. L'Assemblée dit Amen. Très bien. Ça, maintenant, je vais me décharger de ceci. Ensuite, ils enregistrent et tout. Pour que plus tard, si à un moment donné, on voulait savoir ce que nous défendons comme position et sur quoi nous nous fondons, ces enregistrements les déclarent. Nous faisons ça de temps en temps parce qu'il y a de nouveau. Ensuite, nous continuons. Or, nous ne pouvons pas passer en revue tous ces points de doctrine de l'Église, mais simplement quelques-uns dont nous tenons à parler. Bon, à partir de mercredi soir là, frère Branham, il nous dit qu'il ne pouvait pas revenir sur tous les points de doctrine. Mais on enregistre les bandes pour que si plus tard, les nouveaux, les gens qui viennent, qui s'ajoutent au ministère, qui croient à son ministère, s'ils voulaient savoir sa position, ce qu'il croyait, ce qu'il défendait, les enregistrements déclarent cela. Parce que les gens se demandent qui va maintenant nous dire ce que disent les bandes. Les enregistrements déclarent ça. Je répète. Il dit, si à un moment donné, on voulait savoir ce que nous défendons comme position et ce sur quoi nous nous fondons, ces enregistrements les déclarent. Moi, je ne savais pas que les enregistrements déclarent ce que Frère Madame croit. J'ai pensé qu'il faut toujours quelqu'un pour les déclarer. C'est là qu'on nous fait sortir des dictionnaires pour nous déclarer et prêcher, enseigner. Ici, les enregistrements les déclarent. Allons de l'avant. Nous prenons encore des âmes qui sont maintenant en prison. Prêcher le 10 novembre 63. Écoutez. Paragraphe 112. Et je deviens vieux. Je ne sais pas combien de temps encore il me reste. J'aurai bientôt 50 ans. Et je ne sais pas, mais selon le cours de la vie,
Il se pourrait qu'il me reste plus beaucoup d'années. Je ne sais pas où cette bande ira. Mais que tous écoutent. Ceux qui sont ici et ceux qui écouteront cette bande, où qu'elle aille, n'allez jamais vers ces régions de perdus. Vous ne pouvez pas vous représenter à quel point l'enfer est terrible. Et quoi que vous fassiez, n'ayez jamais, n'oubliez jamais ceci, que les régions de bénis, je dirais ceci avec Saint Paul, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui ne pourrait monter au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a réservé à ceux qu'il aime. Alors, arrêtez-vous. Si vous écoutez la bande, arrêtez l'appareil et repentez-vous. Si vous n'êtes pas sauvé, mettez-vous en règle avec Dieu. Et comprenez. Si vous écoutez la bande, arrêtez l'appareil. Confessez vos fautes. Repentez-vous. Je pense que Frère Branham, tout son ministère, après son départ, tourne tout autour du ministère des bandes. Donc, toutes les brochures que vous lisez là, si vous avez seulement l'honnêteté, tout le monde qui est honnête et sincère va découvrir que tout tourne autour du ministère des bandes. Écoutez, arrêtez l'appareil. Je me demande, quand toi, vous êtes en train de nous répéter les bandes, alors qu'il y a d'autres bandes où je dois les avoir pour ma couverne et je peux écouter ça moi-même à la maison pendant que j'écoute des choses comme ça. Je dois le faire comme le prophète vient de le dire. Ça, c'est vrai. Et il y a des bandes, quand vous les écoutez à l'église, Frère Branham me dit que le prédicateur ou celui qui joue la bande, qu'on stoppe, que les gens puissent confesser les péchés. Vous comprenez? Tout tourne toujours autour du ministère des bandes. Moi, je passe. Écoutez ce que le prophète dit. Le cadeau enveloppé des dieux. Prêché le 25 décembre 60. Paragraphe 3. Je pense que ce serait une bonne chose. Frère Neville, que les frères, vous les passeurs et tous les autres, qu'on puisse se réunir ainsi. Nous pourrons tenir le même langage partout. Vous voyez, nous le savons. Et ce sera aussi enregistré. Nos questions et réponses seront enregistrées. Chacun pourrait avoir la bande pour sa gouverne et pour la rejouer en cas de besoin. Et si des questions surgissent, cela pourrait être utile à l'église. Ou quelqu'un pourrait dire, eh bien, ceci, nous retournons voir ce qui est sur la bande. Et ce qui a été dit, nous avons déjà des bandes de cette nature. Et là, je pense que cette année, nous avons de nouveaux administrateurs et quelques nouveaux diacres. Et tout, nous voulons qu'ils soient bien au fait de ce qu'il faut faire. Frère Branham, même sur le fait de parler le même langage, il dit, nous allons avoir des bandes, que chacun puisse avoir cette bande. Et s'il arrivait qu'on se pose des questions plus tard, ce qui a été dit, on retourne. Allons voir ce qui est dit sur la bande. Mais ce sont des prédicateurs, ce sont des ministres. Mais ils pouvaient refaire une autre prédication là-dessus, au lieu de retourner vers la bande. Voyez comment tout tourne toujours autour du ministère des bandes. Nous évoluons. Les uns du temps de la fin. Écoutons quelque chose. C'est prêché le 25 juillet 65, au paragraphe 24. Autrement dit, il voulait expliquer pour qu'on les comprenne un peu mieux. Il dirait, dans les derniers jours, il s'élèvera de faux ouins. Or, cela semble presque impossible. Voyez-vous, ces termes de ouins. Mais, remarquez,
les mots qui viennent tout de suite après. Des faux prophètes. Prophètes au pluriel. Maintenant, un ouin, c'est quelqu'un qui a un message. Un ouin. Quand vous dites toujours, mais ouin, un ouin, c'est quelqu'un qui a un message. Et le seul moyen pour que le message puisse être apporté, c'est par quelqu'un qui est ouin. C'est-à-dire par un prophète ouin. Il s'élèvera de faux enseignants ouin. Un prophète enseigne son message. Des enseignants ouin, des gens qui sont ouin, mais avec un enseignement faux. Des ouin, des Christ au pluriel, des prophètes au pluriel. Si un Christ au singulier, cela existe, alors cela, il faudra qu'il soit des ouin. Oh, les uns! C'est la prophétie de ceux qu'ils enseignent qui fera la différence. Parce que ce sont des gens qui sont ouin. Un prophète, c'est celui qui est ouin. Il a un message et un prophète enseigne son message. Donc, vous allez vous demander pourquoi Frère Branham, après son départ, même les prières que lui a faites, il ne fait que pour ceux qui vont écouter les bandes. Cherchez dans vos brochures. Frère Branham n'a jamais fait une autre prière en dehors de ceux qui étaient présents au Branham Tabernacle, ceux qui suivaient par liaison téléphonique et ceux qui vont écouter les bandes. C'est tout. Cherchez-moi. J'attends toujours des commentaires. Quand je dis, j'ai fait de telles déclarations, j'attends toujours que quelqu'un puisse nous donner une autre prière. Ou Frère Branham dit, après mon départ, quand les gens vont prêcher, enseigner mon message, cherchez ça. Mais il dit toujours, quand ils vont écouter, fais ceci, donne ceci à ceux-là qui vont écouter pour son ministère. Parce qu'il a enseigné avec des termes voulus, dans le sens voulu. Et il sera responsable de ce que lui-même a enseigné. Nous continuons. Nous prenons encore des âmes qui sont maintenant en prison. Prêchez le 10 novembre 63. 250. Comment y échapperez-vous? Or, il s'adresse là à des ministres. Voyez-vous? C'est vrai, à des hommes saints. Comment pouvez-vous rester là? Alors que vous savez que la Bible les prédit et avertit les gens de ne pas faire ces choses. Vous restez là à faire des compromis pour quelques infects dollars ou par esprit de popularité. Pour qu'on vous passe la main dans le dos et qu'on vous appelle docteur. Comment pouvez-vous dire que vous aimez ces gens? Une question. Frère Branham continue. Après avoir posé cette question, écoutez maintenant. Je prêche aussi à ceux qui écoutent les bandes. Voyez, si un prophète enseigne son message, s'il prêche encore à ceux qui écoutent les bandes, le reste qui va le faire? Lui enseigne son message, il prêche encore à ceux qui écoutent les bandes. Puisque quand on a lu, tout ce que j'ai dit ici, ça concerne seulement mon tabernacle. Beaucoup pouvaient dire non, alors tous ceux qui écoutent les bandes, ils ne sont pas concernés. Non, il prêche aussi à ceux qui écoutent les bandes. Voilà là où nous on se retrouve. Maintenant que chacun s'identifie, cherchez ce que vous identifiez aussi dans le message. Si peut-être il a dit quelque part, je prêche aussi à ce qu'on va prêcher par quelqu'un d'autre. Oh, là, trouvez aussi une occasion, commencez à réclamer, à dire, toi tu as dit à Frère Madame, quand on va nous prêcher par tel. Mais il ne l'a jamais dit. C'est pourquoi vous allez manquer même la foi de demander quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ici, quand vous écoutez la bande, même si vous avez un problème, vous avez la foi de réclamer quelque chose. Parce que vous savez que Frère Branham m'a dit, j'ai pris aussi à ceux qui écouteront ce message par les moyens des bandes. Voyez, ça vous donne la foi. Parce que vous êtes identifié dans la prière du prophète. Évoluons le septième saut. Écoutez, j'aime toujours relire cette prière du prophète. Parce que
Fréneville prêchait le même message, comme il le témoigne, en tirant ses enseignements de la même Bible que Frère Branham. Mais chaque fois que Frère Branham avait un problème dans son cœur, écoutez la prière. Septième saut, paragraphe 370. Je prie d'aider notre cher pasteur. Frère Neville, remplit le Seigneur de grâce et de puissance. Donne-lui de la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée à nourrir les agneaux de Dieu. Quelqu'un qui prêchait le même message, en tirant ses enseignements de la même Bible que Frère Branham. Cette fois-ci, Frère Branham m'a dit qu'il puisse avoir la compréhension de prendre cette nourriture déjà emmagasinée. La nourriture emmagasinée, ce n'était pas quand Frère Bonneville allait lire la Bible pour enseigner sur la cruche d'huile. Non, ça, ce n'était pas la nourriture emmagasinée. Il allait, comme tout prédicateur, se débrouiller aussi dans la Bible. Peut-être il pouvait marcher avec ça, avec l'interprétation des Écritures données par les prophètes. Là, on ne sait pas, puisque Frère Branham l'aimait et il appréciait. Ça signifie que c'est quelqu'un qui défendait l'interprétation des Écritures que les prophètes avaient données sur certaines Écritures. Ça, je dois le croire. Mais quant à voir Frère Neville venir, que je vais vous prêcher ce jour-là sur les calvaires, qui a déjà été enseigné par Frère Branham, non, non. Ça ne s'est pas fait comme ça. Frère Neville prêchait ses sermons en tirant ses enseignements de la même Bible que Frère Branham. Et nous lisons encore le super signe, prêché le 29 novembre 63. Écoutez ça, puisque nous sommes en train de terminer déjà la vidéo. Paragraphe 53. Combien de mages étaient à Babylone en train d'étudier l'astronomie, pendant que ces trois mages-là savaient qu'au moment où les trois étoiles s'aligneraient dans le système solaire, ce serait un signe que le Messie était sur la terre. Ils les savaient, ils les croyaient. Et ce sont eux qui ont vu les étoiles. Les autres ne les ont pas vues. Ils étaient dans leur bonne constellation. Mais eux, ils les ont vues de la façon dont Dieu les leur avait montré. C'est ainsi qu'est l'évangile aujourd'hui. Vous ne pouvez les voir que de la façon dont Dieu vous les montre. Et si la chose vous est présentée en dehors de la continuité de la Bible, alors ce n'est pas Dieu qui vous dit cette chose. Amen. Vous ne pouvez pas faire mentir la Bible. Elle est la parole infaillible de Dieu. Elle doit s'accorder avec la continuité de ça, du reste de sa parole. Elle ne peut simplement dire telle chose à un endroit et telle autre chose ailleurs et faire telle chose là-bas et à la fois atteindre les cibles et en dévier. Il atteint la cible chaque fois. La parole le fait. Alors, il faut que tout soit conforme à la continuité du reste de la parole. C'est pourquoi sa façon de faire dans la parole a toujours été d'envoyer un prophète avant ce moment, avant qu'il confirme sa parole. Frère Branham commence avec les mages. Il nous montre que si ce qu'on vous enseigne, ce qu'on vous dit, ça n'a pas une continuité, ça signifie que c'est lui qui vous dit ça, ce n'est pas Dieu. Comment savoir que c'est Dieu qui nous parle? Frère Branham nous dit, ça doit être par un prophète. Il va le confirmer encore. Nous continuons au paragraphe 55. Maintenant, nous pouvons parler un petit instant sur ce qu'un prophète. Bon, le terme anglais, selon le terme anglais, ça veut dire un prédicateur. Eh bien, ça, ce sont des termes anglais. Beaucoup ne comprennent toujours pas cette déclaration du prophète. Quand il dit dans le terme anglais, un prophète signifie un prédicateur. Ça ne signifie pas que Frère Branham valide ce terme, non. Écoutez maintenant. Mais, dans le terme hébreu, on dit un voyant. Comprenez?
Beaucoup disent, hein, quand il dit Joseph est prophète, c'est juste un prédicateur. Mais écoutez, quand il dit Joseph est prophète, ça signifie un voyant dans les termes hébreux. Évoluons. Paragraphe 56. Et un voyant, c'était celui qui avait l'interprétation de la parole écrite. Il voyait d'avance les choses qui devraient arriver. Et quand il parlait des choses qui devraient arriver et qu'il prouvait qu'il était un voyant, alors les gens savaient qu'il avait la bonne interprétation de l'écriture parce que Dieu manifestait par lui l'écriture qui avait été écrite pour cette époque-là. Amen. Ne soyez pas paresseux. Réveillez-vous. C'est par cela qu'il s'identifiait clairement. Il était un voyant, celui qui annonce, celui qui prédit. Et le seul moyen pour eux de savoir qu'il recevait la bonne interprétation de l'écriture, c'est que ce qu'il disait s'accomplissait. Il savait alors qu'il avait été appelé de Dieu, que c'est Dieu qui avait dit cela. Et là, il constatait qu'effectivement, la chose arrivait parfaitement dans la continuité de la parole pour cette époque-là. Frère Branham parle des choses. Des fois, moi, je me pose des questions. Est-ce que les gens comprennent ça? La seule manière de comprendre que vous êtes devant un prophète, quelqu'un qui est dans la continuité, qui vous enseigne la vie de Dieu, c'est parce que ce qu'il dit, c'est confirmé et arrivé. Parce que celui qui le disait, il était d'abord un voyant, un prophète, et celui qui avait la vraie interprétation de la parole. Et alors, comme ce qu'il disait arrivait, alors les gens étaient sûrs. Nous sommes dans le vrai. C'est lui qui nous enseigne, il prouve, Dieu prouve par l'accomplissement de ce qu'il dit que ça vient de lui. Voilà la seule manière de comprendre que nous sommes dans le vrai. Comme ces gens-là qui suivaient le mage, qui ont vu l'étoile, ce sont eux celles qui ont vu ça. C'est eux celles qui pouvaient interpréter ça. Là, les gens qui étaient derrière pouvaient comprendre, ah, nous sommes dans le vrai. Parce que nous avons les gens qui savent bien interpréter les temps. C'est pourquoi aujourd'hui, la seule manière d'être sûr que vous êtes dans le vrai, c'est quand vous êtes devant, derrière ces gens, ces prophètes. Et Dieu a nécessité aujourd'hui d'eux, bien que ça dérange les gens, l'autre a déposé le message, l'autre garde le message et distribue le message et garde toujours les gens derrière ce message. Vraiment. Nous lisons maintenant l'ordre de l'église. On termine quelque chose là. On termine. Prêché le 26 décembre 63. On termine par là. Écoutez une question qu'on pose, une question à Frère Branham concernant les principes, l'ordre déjà établi au Branham Tabernacle. Maintenant, on lui pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Y a-t-il une meilleure façon de maintenir l'ordre dans l'Église que des devoirs pour les diacres? Rappeler ces choses aux gens en les répétant maintenant, à l'occasion. Écoutez. On demande si les diacres devaient répéter ce qui est déjà dit là. Tout le temps, les diacres répéter ce que les prédicateurs réclament. Souvent, si peut-être c'était dit pour les prédicateurs, je ne sais pas. Mais ici, écoutez d'abord la réponse. Ici, on demande si les diacres pouvaient tout le temps répéter. Maintenant, là, Frère Branham comprend. Là, ce n'est pas le travail des diacres de répéter. Peut-être ils pouvaient dire ça à Frère Neville. Mais lisons, paragraphe 61. Maintenant, je pense que les pasteurs... Ça, c'est la réponse. De temps en temps, ou bien passer cette bande qu'elle serve de témoin. Les diacres sont des policiers et leur parole fait loi. Voyez-vous? Et c'est l'Église et même les lois du pays qui leur confèrent l'autorité de faire de cette maison de Dieu un endroit correct. Et quiconque s'oppose ainsi à un diacre est passible de 2 à 10 ans de prison fédérale.
Si vous leur dites de sortir et qu'ils ne le font pas, ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui aurait une conduite désordonnée n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Il s'expose et se rend coupable de toutes sortes d'amendes, de n'importe quoi. La vidéo est terminée. On est arrivé à la fin. J'ai voulu que vous puissiez comprendre. On cherche à répéter souvent. Mais écoutez les réponses de Frère Banham. Frère Banham ne dit pas non, que ça c'est Freneville qui peut lui répéter. Frère Banham me dit, de temps en temps, Freneville, passez la bande. Maintenant, je me pose la question. Nous sommes déjà arrivés à la fin. On a voulu juste parcourir les citations pour voir. Dites ce que disent les bandes. Est-ce que c'est un message adressé au prédicateur? Moïse parlait-il au sacrificateur? Frère Banham s'adresse-t-il aussi seulement au prédicateur? Nous avons découvert que ce n'est pas ça, c'est à tout le monde. Vous voulez engager Frère Banham? Dites ce que disent les bandes. Mais la seule manière de bien dire ce que disent les bandes, nous avons trouvé, c'est jouer les bandes. Si vous voulez répéter ce que disent les bandes, jouez les bandes. Les gens cherchaient pour que les diacres puissent tout le temps répéter. Mais Frère Banham lui dit non. Frère Neville jouait seulement la bande. Si vous voulez nous répéter ce que disent les bandes, jouez-nous la bande. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je m'excuse, souvent j'ai fait ces vidéos vraiment d'une manière simple, souriant, parce que je ne prêche pas. Je lis les citations ensemble avec mes frères. Le reste, que chacun puisse profiter de ces citations et comprendre que quand nous disons dites ce qu'en Frère Banham a dit, ce que dites ce que disent les bandes, ce n'est pas un ministère. Les ministres, moi je ne peux pas limiter les ministères au fait de répéter quelque chose que l'autre a déjà dit. Je ne peux pas limiter seulement ça. Un ministère, c'est un don, c'est quelque chose que Dieu donne. Et un ministère a beaucoup de canaux pour avoir des sujets pour prêcher. Moi, je ne peux pas limiter ce que nous faisons, citer seulement une citation appelée ça. Non, le ministère, c'est au-delà de ça. Moi, je crois à ça. Mais nous restons seulement là en train de témoigner. Mais je crois que les prédicateurs sont là. Si les prédicateurs faisaient ce que je suis en train de faire et qu'ils lisent ça pour amener les gens à écouter les bancs, c'est son sermon. Il est en train d'enseigner, de prêcher les gens pour amener les gens à écouter le messager. Mais on ne peut pas appeler ça le message de Frère Branham. Parce que dans les commentaires, même comme je viens de le faire, il y a des commentaires que vous allez retirer, malgré nous lisons beaucoup, que vous allez trouver qui ne sont pas corrects. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est pourquoi j'ai dit faire ça et appeler, je prêche le message de Frère Branham, c'est un mensonge. Pourquoi? Le message de Frère Banham, on ne retranche pas. On n'ajoute pas. On prend tout. Mais dans ce que moi je viens de faire, tout le monde qui me regarde, je sais qu'il y a des choses que vous allez enlever. C'est normal. Mais ce que j'ai lu là, non, là, prenez. Parce que c'est votre absolu qui a dit ça. Il reste. C'était juste une façon de vous témoigner. Que dites ce que disent les bandes, c'est une recommandation donnée à tout le monde. Ce n'est pas donné seulement aux prédicateurs. C'est une charge, c'est une responsabilité pour nous, les croyants du message. Alors le reste, je sais que nous allons continuer dans d'autres vidéos. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine.